l'équipe de Glace Gallery a bien sûr voulu te récompenser d'une façon, parce que là franchement tu rentres dans l'histoire même du Tour de Novice. Et l'équipe de Glace Gallery, Jimmy qui est avec nous, on va prendre l'empreinte de ton pied. Bah oui. Qui dit t'es gauche droite ça? Ce que tu peux faire, c'est que tu vois le plus fort. Et juste après la remise, on va donc montrer le pied de Yannick qui va être donc dans cette en plaque de sable que vous allez pouvoir aussi aller admirer dans le showroom de Glasgow. Tu pourras aller voir ton pied. Tu vois ça déjà tous les jours, ben oui. Bon, là tu peux le voir d'un autre angle comme on dit. Ok, alors on va y aller. Tu enlèves le chaussure gauche, droite. Alors on peut applaudir Yannick Mekel, s'il vous plaît. Ah, c'est les deux pieds, d'accord, mais évidemment. Attention. Jimmy, c'est deux pieds. Voilà, donc on va prendre l'empreinte de deux pieds de Yannick et après on va procéder à la remise. Pendant ce temps, nos amis de Glace Gallery vont fabriquer rapidement, vous allez voir. Et juste après la remise, ne partez pas, on va vous montrer donc l'empreinte des deux pieds de Yannick. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon le pied? Non mais il faut tirer la photo du pied. Ah d'accord. C'est rare de le voir en pied nu. Ouais, c'est très rare de le voir en pied nu, mais bon, on le voit tout le temps à vélo. Voilà donc Yuri Vala, le CEO de Vendor Le Mauritius qui va remettre. Bien sûr, sous vos applaudissements publics, allez, on applaudit là. Voilà, c'est le grand moment pour ce jeune coureur de nous raconter l'étape si prestigieuse, je dirais, d'un tour, c'est-à-dire la dernière étape ici à Vosil. On connaît bien sûr l'issue de le vainqueur de chaque tour. C'est ici normalement que ça se joue. Et on applaudit encore très fort d'attention à nous. Bravo! Voilà, bravo, merci encore. Bertrand, tu restes là, ne bouge pas s'il te plaît, merci. Merci donc à lui pour évidemment sa participation dans ce tour. Et nous allons maintenant demander à Bertrand, sous vos applaudissements encore, parce que nous avons une coupe qui sera remise par le maire de Bobastin-Vosil, Norbert Projet, à Bertrand Choubanou. On peut applaudir, s'il vous plaît. La municipalité de Bobastin-Vosil, avec bien sûr la présence du maire de Bobastin-Vosil, Norbert, et on va mettre la coupe à Bertrand. Encore, toutes mes félicitations, bravo. Merci beaucoup. Ouais, merci, on avait dit Job qui balance quelque chose à l'oreille, donc il a rapporté sur deux siècles, c'est vrai, 20e et 21e siècle. Comment te fais ça, Michel? On peut l'appeler très fort, 47 ans. Et il est le visu pour Richard Elga. Bravo Richard, et merci encore pour ta présence cette année dans ce tour de Maurice. Ça nous a fait vraiment plaisir de te revoir sur les routes. Et en tout cas, encore plein d'années de course, bien sûr. Allez, bravo Richard Barré. Alors bien sûr, ce maillot jeune, le maillot blanc Angle Mauritius pour Fabien Gauvin, le coureur du Vélo Club de l'Est. Voilà le podium pour ce maillot
jeune, donc le meilleur jeune, Angelo Mauritius, le maillot blanc. Fabien Coppard. On applaudit pour vous. Ouais, c'est fait une très belle coupe en plus, monsieur Chabien, bravo. Alors, on peut applaudir très fort, Jean-Denis. Voilà. C'est bon, vas-y. Super, bravo. Et on va mettre la médaille aussi, monsieur Enrico Chabien. Faut faire des bisous. Hein, pas de bisous. Non, oui, la casquette, oui, je précise, la casquette dominicaine, exigeante, c'est ça. Et tu rappelles le bouquet aussi? Non, c'est toi, enfin, c'est le... Tu l'embrassais, vas-y. Voilà le bouquet, bravo! Donc encore les maillots aujourd'hui. Tu vas t'appeler dans tes valises après pour emmener tous ces maillots. En fait pas, on s'arrange à l'aéroport, il n'y aura pas d'excès. Correct. Alors, on se rapproche encore de ce grand moment, mesdames et messieurs, que nous allons vivre ici dans quelques instants avec le grand vainqueur du tour. On va voir donc dans quelques instants sur le podium pendant ce temps. Catherine Victor qui donne donc la médaille et bien sûr ce bouquet à ce grand coureur du VCJC. Maintenant, Jean-Denis Mamo. Bravo Jean-Denis, merci Catherine Victor. Le maillot à points IMC. CEO d'Angelo Mauritius, bon. Je vous avais rejoint, merci. Alors, la troisième place, le classement général final, le club de l'Ouest, on applaudit encore notre ami. On applaudit encore notre ami. Général final. Alors Richard, donc, vous allez rester, hein, tu vas rester avec nous, à côté du podium et le ministre également, parce qu'on va remettre donc maintenant la médaille d'argent. La médaille d'argent. Allez Richard ! À ce coureur du Vélo Club de Saint-Denis, Emmanuel Chamon. Ah ben d'accord, c'est Chamon, pardon, parce qu'on a plus Chamon. En fait, pas qu'il est Chamon, bon. On est d'accord? Bon, là, c'est charmant, pardon, Emmanuel. Voilà donc la médaille
l'argent, leur deuxième place au général pour ce coureur du vélo club de Saint-Denis. Bravo! Voilà. Troisième Richard Barré, deuxième Emmanuel Chaman, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Nivelin Ritou, qui aura l'immense plaisir et l'honneur pour nous, surtout les Mauriciens bien sûr, pour applaudir très très fort, comme il se doit, s'il vous plaît, cher public, ce grand vainqueur pour la troisième fois, mesdames et messieurs, vainqueur de tout Maurice, Yannick. National, s'il vous plaît. Ok, pour tout le monde. Il vous arrête. Glory to see the land of motherland of mine. Sweet is our beauty, sweet is our fragrance. Round the de mes oeuvriers, mon père, qui vous a remercié tout ce monde, mais qui me félicite moi là, je vous dis merci à tous. Merci, merci. Merci. Bravo.
équipe qui nous remarque dans le tour. Donc, c'est une super équipe depuis bien longtemps de Paraguay. Il y a une grande équipe comme ça. Donc, il y a un travail derrière. Ils ont accepté servi. Donc, ils se servent eux-mêmes. Et finalement, nous trouvons une cohésion parfaite pour faire une belle victoire de Yannick. Bien, merci au public, merci à tous ceux qui nous ont aidé pendant ce tour et même avant. Donc, grand merci. Bravo. On profite bien sûr pour rejoindre des coureurs, José pour la photo. Alors voilà donc José Achille qui va rejoindre également ses coureurs. Alors, est-ce que mon ami Jimmy, c'est bon, c'est fait, c'est du fait main, hein. Admet l'attention mes amis. On va découvrir donc cette partie de produits recyclés, c'est ça. Jimmy, viens avec moi, comme ça nous t'en cause vous aider. Comment ça te va? Il est joli pied qui grossit. Donc on a le pied fait main, hein, rapidement, très rapide, de Yannick Vengol qu'on va vous montrer. Alors comment ça passe rapidement? On fait du plat. Du plat de Paris, mais en plus de 100% avec du moulin de grand-père. Voilà, on a le résultat. Merci Jimmy, reste avec nous parce que là, on va demander aux coureurs. Merci encore, bravo de descendre. Parce que Yannick, tu restes là parce qu'on va te présenter ton pied. C'est pas prendre son pied, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon. Voilà, Yannick, tu vas découvrir Dieu. Tiens, c'est mon pied. Je savais pas que c'était mon pied. Voilà. Voilà, donc Jimmy de Glasgow va te rejoindre pour te remettre donc ce souvenir rapidement. C'est chaud, attention. Attention, ça brûle, c'est chaud, ça brûle, parti. Voilà, ça c'est ton pied, bravo. Voilà, merci Jimmy de Glasgow. Voilà, bravo. Donc, Yannick Lagol, on peut l'applaudir encore très fort, le grand vainqueur.